Tiens, juste me louper. Tu veux que je te tienne le miroir? Ah, donc toi aussi, tu vas tester en même temps? Bah oui. Salut les filles, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous expliquer après, je vais juste d'abord vous présenter ma nièce Engie. Bonjour. Donc vous l'aviez déjà vue dans une vidéo où mes deux nièces me maquillaient. Là, on a retourné une avec la plus jeune. Je ferai l'autre soit après, soit un autre jour avec celle-ci. Enfin, elles vont me maquiller, voilà, on va rire. Là, on est là pour tester un mascara qui pourrait être un dupe du Better Than Sex de Too Faced. Donc, si ça marche, je l'espère, parce que celui-ci est quand même à 26€, celui-ci est à 3,45€. Donc, c'est le I Need a Miracle de Essence Volumizing and Strengthening Mascara. Et en fait, dedans, il y a un principe, il soigne les cils et en plus, il l'éteint au fur et à mesure que vous l'utilisez. Donc, ça peut être sympa. On va tester ensemble parce que comme elle a des cils de foufou, elle va y mettre utile. Tu veux tester lequel en premier? Celui-là, d'abord la qualité, enfin pas la qualité, comme ça après on voit si ça change. Genre celle-là. Tu veux tester d'abord, ça ouais. M'arrange parce que moi, comme je sais celui-là ce qu'il donne, je pourrais tout de suite comparer. Donc okay. Tu veux le mettre de quel côté? Bah les deux. Non, tu mets que sur un. Ah, bah celui-là, puis après celui-là. Ok, donc sur celui-là, donc sur l'œil gauche, on mettra le Essence et le Too Faced sur l'œil droit. Donc bon, on va aller tout de suite. Donc on a dit, tu le mets sur lequel toi? Sur l'œil gauche. Ouais, donc moi je mets le Too Faced de l'autre côté. Donc on va le mettre comme on met le mascara habituellement, c'est-à-dire moi je le mets toujours en deux couches. Je sais pas comment tu le mets toi d'habitude, Angie. Je mets deux couches en bas et deux couches en haut, puis genre comme ça. Voilà. Genre je mets en haut. Enfin, genre vers le haut, comme ça je fais une, deux, puis après je baisse la paupière, je fais une, deux, puis une. Ah deux. Oui, toi tu remets par-dessus, toi. Ouais, moi je le fais pas. Comme ça on voit pas le truc. Donc, ouais, tu fais comme tu fais d'habitude, moi je fais comme je fais d'habitude, comme ça on verra. T'as déjà fini? Bah oui. Lol. C'est juste toi qui galère. Bah non, je galère pas, je mets mon mascara comme je mets d'habitude. Ouais, mais il me semblait que t'avais dit deux couches. Bah oui, mais deux couches, deux fois je trempe mon truc dedans. Bah alors moi je continue aussi. Je t'ai dit de le mettre comme tu le mettais d'habitude, tu comprends pas quoi là. Je sais pas, des fois tu parles chinois. Lol. Oh, j'en ai eu au-dessus. Oui, donc on n'est pas maquillé comme ça, au moins on voit directement le mascara. Tu me donnais le... Là tu vois pourquoi je l'aime celui-là. Bah comparé à celui-là... Oui mais toi t'as vu tes cils quoi. Non mais c'est un truc de fou, regardez-moi ça. Elle a des cils de malade. Arrête de t'incruster sur la vidéo, toi. T'as fini? Oui. On switch? Ouais. On switch. Tu l'as mis où, Cass? Bon, moment de vérité. Oui, je commence à avoir faim. Hein. Oh la vache, la brosse. Pourquoi tu ouvres la bouche? Parce que ça permet de pas cligner des yeux. Qui c'est qui t'a appris ça? C'est pas toi. Mito. Les cheveux qui viennent se mettre dedans. Je galère quand même. Non, j'en ai foutu plein au-dessus de la paupière. Voilà, on a fini d'appliquer les mascaras comme on les applique habituellement. Chacune notre tour. C'est vrai que je vois pas trop de différence. Si, même celui-là, limite, il est encore plus noir. Montre. Ah ouais, celui-là il est plus beau. Hein. Le noir il est plus beau. C'est moi. Montre. Montre quel on préfère. Toi c'est celui-là aussi. Celui-là. Parce que celui-là il est fini. Fait... Hein. Oui mais celui-là il a plus de paquets. Ouais mais ça. Après il est beaucoup plus vieux l'autre neuf aussi. Hein, donc. Mais ouais j'ai l'impression qu'il est défini un peu mieux. Après j'ai un peu moins bien mis aussi. Mais question volume. Ils sont pareils. Hein. Ouais. Ouais. Et avec ma base en tout, putain, ça va donner un truc d'enfer. Appelle un peu Colette, qu'elle vient de nous dire lequel elle préfère. Donc on va vous faire des gros plans. Je passe le focus, voilà. De battre un peu des cils, de regarder vers le haut, de tourner un petit peu ta tête. Genre comme ça. Voilà. Regarde bien vers le haut. Tu te mets face et... Parce que toi, t'as des cils. Elle a des cils de fou, hein. Alors, les miens. Je vais devenir populaire. Je sais pas si vous voyez une différence. À part ici, oui, c'est vrai, il est un peu plus vieux le mascara, donc forcément, il fait un peu plus de paquets.
Ici, il est défini super bien. Question volume et noirceur, j'ai l'impression... Il est mieux. J'ai l'impression que c'est kiff-kiff, quoi. Et si en plus, il y a un soin dedans, ça veut dire qu'il est mieux. Donc là, on va attendre ma nouvelle belle-sœur. Viens voir. On va lui viens voir. Quel œil, enfin de mascara que tu préfères sur chacune de nous? Vous avez mis de mascara. Rapproche. Là. Toi, tu préfères celui-ci. Et toi, sur elle? Si c'est autrement, moi je préfère là. Ah, en gros, non. Un poids chacun. Ah bah, c'est la merde. Mais toi, c'est vrai qu'on voit moins de différence à part la noirceur. Hein. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Que oui, moi, ça se voit un peu plus. Mais après, oui, je l'ai peut-être pas mis pareil. Attends, je vais essayer de remettre juste une petite couche correctement. Et tu vois, le tien, il a fait des paquets sur les miens aussi. Tandis que l'autre, je trouve, il fait des... Ouais, mais il est beaucoup plus dur. Mais en plus, on dirait il est plus naturel celui-là, je trouve aussi. Mais je sais pas où est-ce. Voilà, regarde. Là-haut. Et c'est pareil, hein, mais celui-là est moins beau que celui-là. Ouais, moi je préfère celui-là aussi. Hein. On voit mieux les cils en fait. Donc voilà, donc ce qui est pour la comparaison des deux sur les yeux, bah, vous avez vu les images, c'est vrai qu'on voit pas énormément de différence que ce... le essence fait beaucoup plus noir. Donc je vous rappelle quand même que dedans il y a un soin et une coloration permanente, on va dire ça comme ça, qui teinte les cils au fur et à mesure qu'on les utilise. Donc je vais vous montrer les brosses. Les brosses, elles sont vraiment à peu près similaires. La brosse chez Too Faced, c'est juste un tout petit peu plus touffue, mais elles sont toutes les deux en forme de cacahuète. Et franchement, moi je vois pas de grande différence. Hein. Moi non plus. Bah, par contre, je vois bien la différence de prix, hein, mais je vois pas la différence sur les... Bah, à part les paquets, il n'y a rien, franchement. Ouais, le packaging, mais ça, c'est Too Faced, quoi. Too Faced, c'est Too Faced. Hein. Mm. Par contre, je sais pas si question contenance. Celui-ci fait 16 ml et celui-ci, oh là, 10. Je vais pas lire. Montre. Attends. 8 ml. Donc celui-là, il y en a plus dedans que là. Il fait le double. Ouais. En gros, essence, moi, j'aurais pris le essence à la place de... C'est ça, hein, j'ai pas rêvé. C'est... Ouais, c'est 8 ouais, ml. Oui. Donc 8 ml pour 26 € contre 16 ml. C'est bien 16, hein, je suis pas folle. Oui, ouais. 16 ml. Ouais, 16 ml. C'est 16 ml pour 3,45 €. Donc je pense que je vous ai trouvé un très bon dupe. Beaucoup moins cher. Et je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller le commander. Moi, je l'ai commandé sur Cosmetic for Less. C'est un site allemand qui est très bien, livré le lendemain ou sur le lendemain. Très bien. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos et voilà. Mm-hmm. Voilà. Voilà, voilà. Putain, sur toi, mais il fait super bien, quoi. Oh, je suis trop jalouse de Cécile. Et il y en a qui mettent des fossiles pour avoir ce résultat-là. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo, petite battle dupe. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.